Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant Genji Shimada, le cyborg ninja. Je sais pas pourquoi tout le temps cyber ninja, mais non, c'était pas cyber ninja, c'est un cyborg, un ninja cyborg, Genji Shimada, qui est un personnage qui a une histoire vraiment très très intéressante en plus. On pourrait dire c'est le ninja que beaucoup de joueurs apprécient parce que voilà, c'est vrai que il est badass avec son grand katana et puis voilà, ça prend des kills, etc. Les ninjas, ça a toujours été un truc que les gens apprécient, bien entendu. Mais au final Genji, il a surtout une histoire qui est super intéressante. Franchement, s'il devait faire des longs métrages, c'est toujours un problème, mais même un court métrage sur Genji pour relater de son histoire, ça serait super intéressant parce que Genji est passé par plein d'étapes dans sa vie. C'est une succession d'aventures et de changements, en fait, de façon de penser. C'est vraiment un peu le... C'est fait pour un film, en fait. Parce que dans les films, je pense à Star Wars et d'autres licences comme ça, où en fait, bah, tu suis un aventurier qui va avoir des épreuves dans sa vie et qui va devoir ajuster sa façon de penser, son raisonnement, comment il va fonctionner dans la vie, etc. Et Genji Shimada, c'est exactement ça. Sa vie est bondée et blindée d'histoires intéressantes et de succession d'étapes et d'épreuves qu'il va passer et qui vont l'amener à un changement de mentalité, qui vont l'amener à justement complètement se façonner lui-même, en fait, et à se trouver lui-même, trouver la paix intérieure et trouver justement la richesse que ce soit de l'esprit ou du corps. Et en l'occurrence, eh bien, Genji justement est passé par ce genre de choses. Et évidemment, pour parler de Genji aujourd'hui, on parlera aussi un petit peu d'Anzo, mais on parlera surtout bien sûr du clan Shimada en plus de Genji, puisque Genji bien sûr fait partie d'un clan assez illustre japonais, puisque Genji est japonais, et c'est donc le clan Shimada. Shimada, le clan Shimada, c'est pas rien, c'est le clan tout simplement qui habite à Namura à la base, hein, et qui date, enfin qui a des origines en fait très vieilles, à l'origine des samouraïs, on va dire vers 1500-1600, à peu près par là. Donc c'est un clan qui est très vieux, qui a connu pas mal d'époques importantes. Et du coup, c'est justement ce clan qui va, en fait, au fil de l'histoire, monter en puissance. Et c'est un clan un petit peu yakuza-like, à la base plutôt un peu samouraï, mais qui est passé très rapidement sur du yakuza, et donc qui trempe un petit peu dans des business un petit peu louches. Mais bon, c'est du clan, la japonaise, donc certes, c'est du yakuza, donc c'est du mafieux, mais avec un système quand même d'honneur yakuza, l'honneur du bandit, comme parfois on aime bien le dire, avec quand même des traditions culturelles et des traditions aussi de la famille, mine de rien. C'est de la famille avec un ordre établi, par exemple, eh bien, l'héritier d'une famille, c'est toujours le fils aîné, etc. Ce genre de choses assez archaïques pour certains, mais voilà, c'est ce raisonnement-là dans le clan Shimada. Le clan Shimada, c'est l'un des emblèmes, c'est le dragon. Le dragon, justement, du clan Shimada, et l'autre, on le verra dans certaines illustrations, le clan Shimada a un symbole assez spécial. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un symbole de dragon, puisque souvent, c'est le dragon quand même qui est aussi un des symboles forts du clan Shimada. Ce n'est pas le logo de base, le dragon, mais c'est toujours un des symboles associés au clan Shimada. Du coup, justement, le clan Anamura, donc le clan Shimada, qui réside à Anamura, va justement grandir. Et à l'époque d'Overwatch, alors je rappelle, hein, je vous laisse aller voir bien sûr l'histoire d'un héros concernant Overwatch pour voir les événements et toutes les étapes importantes au niveau de l'ordre mondial. Pour les Japonais, bien sûr, les Japonais ont été victimes, bien entendu, de la crise des Omniums, avec les Omniacs qui arrivaient, qui attaquaient, etc. Et la guerre entre les humains et les machines, en gros. Donc le Japon, lui aussi, a été atteint, il a été touché, bien entendu, mais le clan Shimada a continué à prospérer avec la fin de la crise des Omniacs, et a continué à prospérer son business mafieux. Hein. Le business mafieux, ça va être tout ce qui touche à divers travails, hein. Que ce soit le proxénétisme, hein. on fait travailler des dames le soir, et puis voilà, on récupère les sous-sous. Il y a également, bien sûr, le trafic de drogue, le trafic d'armes, etc. Enfin, il touche un petit peu à tout, et c'est du coup l'un des plus gros cartels mafieux du Japon, le clan Shimada. Et du coup, justement, le grand patron de ce clan illustre du clan Shimada, c'est Sojiro Shimada, qui est le père de Genji et le père d'Anzo. Et on voit justement donc Sojiro à droite. Alors le nom de la mère, pour le moment, ne nous est pas connu. C'est un fan art, hein, c'est une illustration, c'est pas forcément le visage de Sojiro, mais en tout cas, je l'ai trouvé super beau.
Et on voit en plus les deux symboles. Si on voit justement le père de Genji et d'Anzo, le clan Shimada, justement le symbole du clan Shimada, si vous voyez cette espèce, vous voyez la petite frange blanche ici sur la tenue, eh bien on voit justement le symbole du clan Shimada. C'est cette espèce de labyrinthe rouge là, eh bien, ça c'est le symbole du clan Shimada. Et on voit justement la mère de Genji et la mère d'Anzo, dont on ne connaît pas le nom hein, à l'heure actuelle, mais bon, vous savez qu'Overwatch, le lore avance pas mal, et du coup peut-être qu'un jour on connaîtra le nom de la mère. Mais vous voyez en plus que sur le kimono de la mère, eh bien, on voit justement le dragon. Encore une fois, c'est les deux symboles du clan Shimada. Le dragon est justement le symbole, on va dire, archaïque, le symbole centenaire du clan Shimada. Et du coup, Sojiro Shimada est un chef de clan quand même d'un empire mafieux, hein, on va pas se le cacher, mais... Disons que même si c'est un mafieux, Sojiro Shimada a beaucoup de principes, bien sûr l'honneur qui en fait partie, et c'est quelqu'un qui est très famille, il adore sa famille, il adore ses enfants, et il va avoir de grandes valeurs, et il est quand même, malgré, en fait c'est très étrange, parce que en fait, c'est un personnage qui a une dualité intérieure un peu étrange, puisqu'en fait, d'un côté c'est un mafieux, donc bon bah, il touche et il mouille dans des... Voilà, dans des choses pas nettes, mais à côté de ça, il a quand même un... Il a un esprit vachement ouvert, très familial, très protection, et à côté de ça, en fait, c'est un idéaliste. C'est un petit peu un idéaliste. Donc, c'est quand même dur à dire, parce que c'est à la fois un mafieux, mais un idéaliste. Et du coup, il y a quand même... En fait, il sait que le travail de Yakuza est obligatoire, et à la limite, on connaît pas, évidemment, la psyché de Sojiro, il y a pas tant de... Il y aura probablement beaucoup de choses à découvrir, c'est un personnage très intéressant, je trouve, Sojiro, même si on connaît pas grand-chose de lui. Ce qui est certain, c'est que c'était un petit peu un idéaliste, et qu'il a essayé d'inculquer ça, ces valeurs-là, à ses enfants, à ses fils. Et en l'occurrence, justement, Sojiro, il est, je pense, alors là, c'est moi qui extrapole, hein, ce n'est pas du tout officiel ou quoi que ce soit, mais je pense que l'idée, justement, c'est que c'est une sorte de Batman, on va dire, c'est-à-dire qu'il a choisi d'embrasser le mal pour combattre le mal. C'est-à-dire que il y a plein de clans mafieux, hein, même il y a plein de clans Yakuza hein, au Japon, etc., mais... Un gros clan Yakuza peut anéantir les autres clans qui peuvent justement chercher beaucoup plus la violence directe, etc. Lui, il contrôle tout. Alors certes, c'est un petit peu un baron du mal, puisque c'est un clan mafieux et qui va quand même... Bah voilà, le trafic de drogue, hein, derrière, t'as plein de mecs qui vont crever d'overdose. Trafic d'armes, bah forcément, quand il y a des guerres de rue, bah voilà, qui fait trafiquer les armes, c'est le clan Shimada. Mais en fait, en contrôlant justement la délinquance, il peut contrôler aussi... les effets de cette délinquance. Puisque si jamais il y a un souci et que quelqu'un commence à vouloir dépasser les bornes, bim, il peut sanctionner. Donc je pense que l'idée c'est ça de Sojiro, c'est-à-dire le mafieux au bon cœur. C'est le mafieux qui veut quand même faire... Il y a des codes, c'est codifié hein, la mafia japonaise, et du coup il veut contrôler le truc. Mais à côté de ça, c'est quand même quelqu'un qui a plein de principes, et comme je disais, il va l'inculquer pour ses fils. Et là, je trouvais un artwork tout mignon, un petit fanart tout mignon, avec du coup Anzo, qu'on voit avec sa petite queue de cheval déjà, et du coup le frère aîné, le fils aîné de Sojiro, et le petit qu'on voit à côté, Genji Shimada, les deux frères Shimada, qui justement sont les fils de Sojiro. Ils vont continuer à grandir, et Anzo va avoir un rôle très important dans justement la jeunesse de Genji. Anzo est le fils aîné, comme je vous l'ai dit, les valeurs familiales, c'est justement comme ça, en fait, c'est l'aîné qui va avoir l'héritage. C'est vraiment héritage médiéval, hein. C'est vraiment la famille médiévale, le fils aîné et l'héritier direct de la lignée, il y a justement cet héritage, le mec au pouvoir va faire transiter à son fils, etc., etc. Du coup, Anzo est élevé en tant que futur roi, en presque, hein. C'est en tant que futur roi du clan Shimada, donc il est justement, on leur inculque bien sûr bah, tout ce qui va être l'art japonais, hein, tout ce qui est arts martiaux, les arts, les lettres, etc., etc. Donc ces deux enfants qui sont quand même pas mal inculqués, qui sont pas mal lettrés, et on va leur inculquer bien sûr les arts martiaux. Anzo va avoir une prédilection pour l'arc, Genji plutôt pour tout ce qui est épée, on va dire pas assassinat encore, mais on va dire qu'il va vraiment se tourner vers l'orientation un peu plus ninja. Mais Anzo va vraiment être un grand frère
très protecteur. Ils s'entendent très très bien, Genji et Hanzo. Hanzo veille sur son frère. Il y a vraiment un lien très très fort entre les deux frères et qui est inculqué tout de suite, encore une fois, par Sojiro, le père qui a justement ses racines et ses valeurs familiales très poussées et qui raconte plein d'histoires à ses enfants avec le monde, comment il est fait. Les fils, on imagine les deux enfants de toute façon qui sont comme ça, les yeux ouverts et qui écoutent papa. Et papa, il leur raconte plein de trucs, plein d'histoires sur le monde. Sojiro a probablement beaucoup voyagé aussi, du coup, il leur raconte un petit peu ses voyages, ce qu'ils ont fait, comment on raconte le monde, etc. Et c'est là où on voit l'importance, parce que c'est pas un blasé en fait, Sojiro. C'est pas quelqu'un qui voit le. En tant que chef mafieux, on pourrait se dire, il voit le mal partout, etc. Et bien non, au contraire, il va essayer d'être très positif, d'être optimiste dans l'apprentissage pour ses enfants et tout simplement dans leurs éducations. Donc c'est un petit peu le côté tout sourire et Hanzo et Genji vont être justement baignés là-dedans. Après, Hanzo, en tant que fils héritier, il va être assez cadré et il va devoir rentrer justement dans les normes pour pouvoir respecter les traditions de la famille et pour devenir un chef idéal, on va dire. Un chef idéal et devenir tout simplement le successeur digne du précédent, digne du père. À côté de ça, Genji, lui, comme c'est le deuxième fils, il n'y a pas l'héritage du clan. Bien sûr, il va avoir un rôle important dans le clan Shimada. C'est quand même le fils du patron. Mais il est beaucoup plus libre, on va dire. Il est beaucoup plus libéré des coutumes et des obligations qu'à Hanzo. Donc Genji, lui, va vraiment être un peu plus tranquille. Et petit à petit, ils vont grandir, les deux frères. Donc là, on voit Genji et Hanzo quand ils sont encore jeunes. Hanzo avait les cheveux très longs. Hein, avait les cheveux très longs et on voit justement l'apprentissage des arts martiaux. Hanzo, beaucoup plus basé sur l'arc. Genji, plus sur tout ce qui va être armes de jet et les attaques éclairs. Après, voilà, les deux sont très mobiles. C'est l'art un petit peu du samouraï pour les deux et du ninja un peu plus pour Genji. Mais voilà, les deux frères s'entendent très bien, ils continuent à se développer. Ça se met aussi sur leur façon de penser, leur façon d'être. Hein. Hanzo est beaucoup plus froid. Il n'est pas très démonstratif, hein, Hanzo, parce que justement, c'est le côté japonais très. Comme ça, vraiment très froid, en mode. Je ne dois pas être dans l'excès, bien entendu, il faut que je reste, je représente ma famille, donc je dois vraiment rester droit, bien faire honneur à la famille, etc. Genji est beaucoup plus libéré, un petit peu l'électron libre, on va dire, de la famille. Forcément, il n'a pas non plus ses codes d'héritier, on va dire, principaux, donc il n'y a pas de problème pour lui. Mais ça va lui donner justement un petit surnom à Genji qui commence, en vieillissant, à devenir de plus en plus libéré, d'être assez jovial. Genji est un enfant, enfin là c'est encore, il a commencé à vieillir bien entendu, mais Genji est un jeune homme très, très décomplexé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, très démonstratif. Il aime bien les femmes, Genji, il aime bien les femmes, et justement, sa jeunesse, il va la passer dans tout ce qui est un petit peu frivole, il va draguer, il va vagabonder un peu partout, faire les bars, etc. Enfin, voilà, Genji, c'est le mec bon vivant, on va dire, hein. Genji, c'est le bon vivant, Hanzo, c'est le mec beaucoup plus académique, Genji, c'est le petit gars bon vivant. Mais le père, Sojiro, adore ses enfants, il adore vraiment ses deux enfants, et limite, on pourrait même se dire qu'il a une préférence pour Genji, parce qu'il le dorlote vraiment beaucoup, Genji. Hein. Parce que Hanzo, il va être très dur avec lui, puisque justement, c'est son héritier direct. Donc, c'est celui qui va avoir la responsabilité de la famille. Genji n'a pas forcément cette responsabilité-là, donc il peut un peu plus se laisser aller, et ça se voit parce que voilà, Genji est assez volage, Faut imaginer un petit peu, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed, c'est un peu le Ezio Auditore quand il est jeune, quoi. C'est le mec qui va draguer, qui va sortir dans tous les sens, qui va faire plein de petites bêtises, etc. etc. Et justement, son père va lui donner un surnom avec sa façon d'être, mais c'est un petit surnom affectueux, c'est Kotori. Alors le Kotori en japonais, d'ailleurs il va falloir que je reparle un petit peu des noms, mais Kotori en japonais, en fait, c'est tout simplement un oiseau, c'est un petit faucon, c'est un jeune faucon. C'est pas un jeune faucon d'ailleurs, c'est une sorte de faucon pèlerin. Donc c'est un oiseau de proie, c'est un rapace, hein, tout simplement, mais un tout petit rapace, un rapace tout mignon et qui va justement être très très actif, très actif. Par rapport à des aigles qui vont être beaucoup plus droits, qui vont, faut savoir, mais un aigle ça vole très peu, ça reste très très très, les rapaces restent très longtemps au sol. Et ça, ce serait plus pour Hanzo. Alors que les faucons vont être
pour être un peu plus mobile, on va dire. Et justement, le Kotori, c'est le surnom affectueux que lui donne son père, puisque c'est un peu ça. C'est le rapace, on sent qu'il y a ce côté martial, ce côté guerrier, mais comme il est encore jeune, voilà, on prend un petit faucon plutôt qu'un aigle, et le faucon un peu plus fougueux. Et c'est ce petit surnom affectueux-là qui va être donné à Genji, et je trouve que ça lui va très bien. Le Kotori, justement, c'est ça. Et à côté de ça, il faut parler de Genji, parce que même dans le nom, au final, Genji... Pardon, hop. Dans le nom Genji, c'est très intéressant aussi, et c'est là qu'on voit qu'il est plus libéré. Genji en japonais, il y a plusieurs justement petites aventures autour de Genji, puisque Genji c'était un des clans dans une histoire samouraï. Là-dessus, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'était justement en fait les clans. Souvent, c'était des clans qui n'étaient pas les héritiers. Quand il y avait deux fils, par exemple, le fils aîné, lui, devenait empereur, etc., ou devenait le chef de son clan, tout simplement. Et le deuxième allait fonder sa famille. Et en fait, la ligne, dans un héritage, il y a toujours la ligne principale, en fait, qui va découler du premier. Et en fait, le fils cadet va faire découler une seconde famille noble qui, un jour, s'il y a un problème de succession, pourra reprendre le dessus si vraiment il n'y a plus personne. Ça s'est fait dans pas mal de royautés, etc., dans plein de choses comme ça. Et en fait, les Genji étaient souvent un nom associé au deuxième. En fait, le deuxième, celui qui n'est pas l'héritier. Le fils du patron, mais qui n'est pas héritier. Donc ça montre justement, ça rejaillit très très bien pour le personnage. Ce n'est pas le fils héritier, c'est le second. Et voilà, c'est un petit détail, mais je trouve ça vachement intéressant pour comprendre justement plus avant Genji. Donc on a parlé de Kotori. Alors, il y a justement quelque chose qui va beaucoup jouer avec le comportement assez volage de Genji. C'est que forcément, en allant coucher à droite à gauche, en allant profiter de la vie, on va dire, à droite à gauche, il va commencer à rentrer dans pas mal de galères aussi. Il va créer pas mal d'embrouilles. Sojiro a un clan justement qui est bien droit, qui veut pas, enfin il veut que son clan soit, enfin il veut que la famille Shimada soit assez droite justement pour ne pas être, on va dire, dans l'excès. Et en l'occurrence, comme Genji s'aventure un peu partout, ça crée des embrouilles. Ça crée pas mal d'embrouilles, des confrontations avec d'autres clans, il peut y avoir des soucis. Et ça met parfois en danger justement les membres du clan Shimada. Donc... Bien sûr, comme n'importe quel leader, il a ses conseillers. Sojiro a pas mal de ses conseillers qui lui disent « Mais il faudrait que tu calmes Genji, tu peux pas le dorloter comme ça, il arrête pas de faire des conneries, tu peux pas continuer à le dorloter pendant qu'il fait n'importe quoi. » Donc, il y a un moment donné en fait, où il y a eu beaucoup, beaucoup de bêtises qui ont été faites par Genji. Sojiro était derrière en train de passer l'éponge, en train de calmer les ardeurs, par exemple, des adversaires de Genji, etc. Donc, il essayait de passer derrière son fils. Et... c'est là où il y a un point de lore qui est encore manquant, et je pense que d'ici là, il y a pas mal de choses qui vont jouer, mais j'en reparlerai à la fin bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses par rapport au clan Shimada. Le clan Shimada a une importance très... enfin, il a beaucoup d'importance dans le monde d'Overwatch. Et en l'occurrence, Sojiro, qui n'était pas vieux, hein, qui était encore assez jeune, qui était le patron de la famille, etc., qui avait vraiment son clan, qu'il avait très très bien fait monter au sein du Japon, il va en fait mourir de manière... prématuré, vraiment. Il va mourir de manière... Alors, c'est pas dit encore si c'est un assassinat, si c'est autre chose. Ça ne m'étonnerait pas, et là j'extrapole, hein, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un assassinat d'ailleurs. Puisque sa mort, par contre, est vraiment dite officiellement de manière prématurée. Il est mort comme ça, de manière très brutale, d'un coup. Il a été tué comme ça, enfin, pas tué, pardon. Il est mort d'un coup, comme ça, sans qu'on sache trop pourquoi. Et ça anéantit ses enfants, bien sûr. Ça anéantit ses enfants. Et alors, Genji, ça va le... Il va y avoir deux effets, sur Hanzo et sur Genji. On sent que les deux frères n'ont pas du tout la même façon de penser, par contre, même s'ils s'entendent très très bien, ils n'ont pas la même façon de faire et pas la même façon d'encaisser les choses. Parce que la mort très brutale de Sojiro va amener complètement le clan à devoir se restructurer et vite passer à l'héritier, en fait. Il faut vite transmettre l'héritage de Sojiro. Et cette mort brutale, je pense qu'elle aura beaucoup d'importance pour la suite par rapport au dessin et au lore principal d'Overwatch, notamment. Mais ça serait pas étonnant, alors je dirais pas la griffe, parce que dès qu'il y a un problème, c'est la griffe. Mais ça serait très probable, je vous laisse aller voir la vidéo concernant la BlizzCon 2016, où j'avais pas mal parlé de son bras, et il y a un organigramme justement où on voyait pas mal d'organisations plutôt sombres sur lesquelles, par exemple, la griffe pouvait bosser. Il y avait d'autres organisations comme la griffe, et ce serait pas étonnant que l'une de ces organisations, on va dire malveillantes, ait eu un rôle à jouer dans la mort prématurée de Sojiro Shimada. Mais du coup, Sojiro Shimada est mort, bien entendu, que faut-il faire?
À la mort de Sojiro, il faut bien entendu que l'héritier prenne la place de son père, en l'occurrence Hanzo Shimada, Hanzo qui va prendre la place de son père et devoir régner justement sur la famille Shimada. Donc il va prendre évidemment son rôle très à cœur, et surtout c'est les conseillers de son père qui vont commencer à conseiller Hanzo comme il conseillait son père. Ce qui est assez difficile à appréhender, c'est qu'en fait Hanzo est quand même pas mal bouleversé par la mort de son père. Les deux fils, Hanzo et Genji, entretenaient de très bonnes relations avec son père. Hanzo, c'est un peu plus froid avec son père, mais il y avait quand même un amour paternel fort. Même si la relation était assez froide entre les deux, il y avait quand même un amour profond, un respect profond, je dirais. C'est vraiment du respect. N'hésitez pas à aller voir n'importe quel film japonais. Les relations japonaises sont très compliquées parce que d'un côté, et même dans la culture actuelle, parce qu'on parle d'Overwatch, mais ils ont juste retranscrit ce qui se fait à l'heure actuelle. D'un côté, on est dans l'excès. D'un côté, les Japonais peuvent tomber dans l'excès, dans les trucs un peu what the fuck-esque. Et Genji va être un peu dans ça, en mode je fais n'importe quoi, je baroude un peu partout. Et t'as aussi le côté ultra famille, ultra culturel, où justement, on ne doit rien montrer, on doit faire honneur à sa famille, ne pas sortir des clous, etc. Et là, c'est beaucoup plus Hanzo. Ce qui fait que la relation père-fils au Japon est assez conflictuelle et assez froide. Et c'est un petit peu plus comme ça que naît la relation Hanzo-Sojiro. Du coup, Hanzo, à la mort de son père, est quand même assez matraqué. Et il va se cacher derrière, justement. Il va pouvoir noyer son chagrin dans ses obligations d'héritier et du coup de nouveau chef du clan Shimada. Donc il va maintenant tenir les rênes du clan, recontinuer le business de son père, tenir un petit peu les rangs, parce que dès qu'il y a un mort, forcément il y en a qui essayent de profiter, etc. Donc il y a une vague de... La vague de succession est toujours un petit peu difficile, la phase de transition, et Hanzo va justement tenir les rênes de manière assez autoritaire pour justement continuer à tenir le clan Shimada en laisse, puisque cette mort prématurée, elle amène des questionnements. Là, il faut justement tenir les hommes, on va dire. Du coup, Hanzo va se noyer là-dedans, là où Genji va lui se noyer son chagrin, évidemment plus dans l'alcool, dans les femmes, etc. Et complètement perdre de vue les obligations d'un Shimada dans la famille Shimada. Donc ça va s'envenimer. Auparavant, Genji faisait de l'excès, on va dire, de zèle, il faisait un peu de bêtises, mais ça allait. Le fait qu'il se noie dans l'alcool, qu'il noie son chagrin dans l'alcool et dans les femmes, etc., ça va lui faire créer plein d'embrouilles. Et Hanzo, justement, même si c'est son frère et qu'ils s'entendent très bien, il y a bien sûr le côté Hanzo, c'est le patron maintenant de la famille, et du coup, il veut justement dire à Genji, le remettre dans les clous. C'est les conseillers de Sojiro amènent Hanzo à essayer de raisonner son frère, de le faire revenir dans le droit chemin. Genji est encore assez jeune, du coup, il pète un câble, il y a une grosse crise entre les deux, une grosse rupture. Hanzo commence à de moins en moins supporter les frasques de son frère. Genji, lui, n'accepte pas l'autorité de son frère, a du mal encore à vivre le deuil de son père. Donc il y a une profonde crise entre les deux frères. Ça va commencer à escalader, ça va être de plus en plus violent. Au départ, c'est des échanges verbaux. Et à un moment donné, ça va vraiment aller très loin, parce que on peut plus tolérer justement les agissements de Genji, et le clan Shimada doit se séparer de Genji. Sauf que les Yakuza, ils se séparent pas d'un membre en mode salut, à bientôt. Hein. C'est plus violent, on va dire. Du coup, Hanzo va essayer de raisonner une dernière fois son frère. Ils vont en venir aux mains. Ça va être très agressif. Et finalement, il va y avoir un duel entre les deux. Un duel entre les deux frères, justement. Et ça va être assez compliqué, parce que justement, en fait, on va avoir un énorme combat, en fait. On n'a pas de détails sur le duel, mais les deux frères, quand ils en sont venus aux mains, ça a été plutôt sévère. Hein. Ça a été le genre de combat, en fait. Ces deux enfants, je rappelle, qui ont été élevés vraiment dans l'art de la guerre, et c'est deux excellents guerriers. Donc quand ça commence à s'attaquer, c'est plutôt du gros combat. Faut imaginer un duel Vegeta Sangoku, Naruto Sasuke, ce que vous voulez, mais c'est un gros duel, c'est un gros combat. Et finalement, à l'issue du duel, c'est Hanzo qui va prendre le dessus sur Genji, et il va
blesser gravement, mais mortellement, son frère Hanzo, sachant que Genji, quand je vous dis, on va en reparler juste après, mais c'est pas un petit combat, hein, c'est pas genre un petit il lui a mis une flèche et salut, hein. On sait pas comment ça a été, mais enfin, Genji, il s'est fait détruire, hein. À la fin du fight, genre, il s'est fait détruire son corps, et je pense qu'il a dû prendre un coup de dragon dans la tronche, mais parce que Genji, à la fin du fight, il y a la moitié de son corps qui est en lambeaux, enfin, il est détruit, hein. Il est détruit. Et Hanzo le croit mort, hein, mais en même temps, c'est pas étonnant, parce que dans l'état dans lequel on va retrouver Genji, tout le monde le croit mort, Genji. Hein. Ça y est, on pense qu'Hanzo a fait le travail, qu'il a enfin, il s'est enfin débarrassé de son frère. La plupart des conseillers, justement, se disaient que Hanzo, en se séparant de son frère, il allait en ressortir plus fort, plus grand, et que justement il allait encore mener. C'est vraiment un prodige. Hanzo est considéré comme un prodige par tout son clan. Ce qui fait les deux prodiges, hein. D'ailleurs c'est deux prodiges, mais il y en a un, c'est plus un peu le prodige genre j'ai le talent, c'est bon, même s'il travaille beaucoup, hein, Genji. Hanzo, ça va être un peu plus le génie, genre vraiment le génie militaire, le génie froid, le génie calculateur. Et la plupart des conseillers se disaient que justement, en se séparant de Genji, Hanzo allait devenir plus fort, et que ce génie allait encore plus monter la gloire du clan Shimada vers le haut, etc. Tirer vraiment vers le clan vers le haut. Genji va du coup succomber, en fait, hein. On va le croire mort, on va le prendre pour mort. La bataille a été mais dévastatrice, hein. Je sais pas donc où a eu lieu la bataille, mais à mon avis le quartier il était détruit, hein, parce que la bataille est dévastatrice. Genji est considéré mort. Le truc c'est que justement Hanzo du coup retrouve le clan Shimada, mais Genji, qui s'est fait détruire, il a énormément de cicatrices partout sur son corps, il y a même une partie de son corps qui est broyée, en fait, et il va se faire sauver par l'un des ennemis du clan Shimada. Le clan Shimada a beaucoup d'ennemis, hein, d'autres clans rivaux de Yakuza, mais sur l'ordre global, en fait, des choses, le clan Shimada a tellement atteint un niveau élevé sur la scène mondiale que il y a une organisation qui va combattre le clan Shimada, c'est tout simplement l'organisation Overwatch, qui est sortie grande vainqueur justement de la crise des Omnium, et maintenant c'est un peu devenu la Ligue des Justiciers, hein, tout simplement, hein, l'Overwatch, et du coup ils doivent combattre tous les empires criminels. Et l'un des empires criminels, il y a Los Muertos par exemple, hein, au Mexique, etc., plein d'organisations criminelles, et l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus dangereuses, ça reste le clan Shimada. Avec la mort de Sojiro, en plus, on a dû un peu plus brutalisé, hein, du côté d'Hanzo, on a un petit peu renforcé le truc. Donc c'est vrai que le clan Shimada apparaissait plutôt fort et était une menace au niveau de la paix, etc., pour Overwatch. Du coup Overwatch a agi au niveau national pour aider le Japon à combattre la menace Yakuza du clan Shimada. En l'occurrence, c'est justement une des escouades d'Overwatch qui va retrouver Hanzo. Il surveillait bien sûr les agissements du clan Shimada. Faut imaginer la police qui est tout simplement en train d'essayer de voir ce qui se passe. On a tous vu des films de Yakuza, mais tous des films de mafieux. Il y a toujours la police qui essaye de mettre sur écoute la famille, etc., etc. Et ils surveillent les agissements. Et en l'occurrence, quand ils ont vu le gros duel entre Hanzo et Genji éclater, ils vont sur les lieux et ils trouvent Genji complètement détruit. Et c'est justement un personnage qui va pouvoir avoir un rôle très important dans la suite pour Genji, c'est Angela Ziegler, merci en anglais, hein, merci, qui va trouver Genji, et contre tout le monde le croit mort, et au final Ange va se rendre compte que justement Genji est vivant, et du coup elle va le ramener avec Overwatch. Angela, quels que soient ses ennemis, etc., je ferai bien sûr l'histoire d'un héros sur Angela Ziegler, hein, sur Mercy, mais en fait, c'est vraiment le médecin pur, hein. C'est quel que soit le clan pour lequel elle vit, quel que soit des alliés ou des ennemis, dans tous les cas, s'il y a un blessé, il faut prendre soin du blessé. Et en l'occurrence, du coup, elle va s'occuper de Genji, elle va le ramener dans l'un des quartiers d'Overwatch, et elle va le soigner, et elle va justement faire appel à Angela Ziegler, est l'un des plus brillants médecins qui existe dans le monde d'Overwatch, et du coup elle va faire place aussi à des techniques un petit peu révolutionnaires au niveau médecine, et ils vont complètement réussir à sauver Genji. Par contre ils vont être obligés de lui mettre plein d'implants cybernétiques, ce qui fait que Genji va devenir à ce moment-là un cyborg, puisque Angela Ziegler du coup va sauver Genji. Et Genji va devoir, par contre, c'est obligé, vu qu'il a été sauvé, on lui a mis des implants, etc., pour le tenir en vie. Et du coup, par contre, Overwatch demande à Genji de rejoindre Overwatch. Genji doit rejoindre Overwatch pour aider Overwatch à combattre le clan Shimada. Alors là, c'est un petit peu un vide
En fait, les périodes très troubles dans l'histoire d'Overwatch, c'est le début de la crise des Omnium, le milieu de la crise des Omnium, la transition est un peu plus connue, et pendant l'existence de la première Overwatch, on va dire l'Overwatch 1.0, la première génération Overwatch, toutes les missions, etc., il y a peu de détails. L'un des gros points scénaristiques qui est arrivé il y a pas longtemps, c'était justement les événements de Londres pendant Overwatch, c'était la fin de la période Overwatch 1.0, on va dire. Et justement, Genji aura un rôle à jouer. Mais, et c'est là où on a vu pas mal de choses par rapport à Genji et comme pour pas mal d'autres persos au final. Et il y a pas mal de moments troubles. Et du coup, on connaît pas trop l'état d'esprit de Genji. Donc là, je vais un petit peu extrapoler. Mais Genji va, ça c'est certain, Genji va rejoindre du coup Overwatch et va mener la bataille contre le clan Shimada. Donc ce qu'on peut imaginer dans l'étape de sa vie, c'est qu'il a failli mourir. Il a perdu contre son frère. Donc le sentiment, à mon avis, là c'est moi qui extrapole, le sentiment qui envahit Genji, à mon sens, c'est de la revanche. C'est l'esprit de vengeance, c'est l'esprit de revanche, c'est l'esprit de combattre tout, enfin vraiment de tout son âme, de tout son être, de combattre justement la menace du clan Shimada en prêtant allégeance à Overwatch, qui l'a sauvé. Et ça, ça va justement jouer pas mal de choses, et même si j'extrapole, je pense que je suis pas non plus trop dans le faux, parce que Genji va faire partie d'un groupuscule, je vous en ai déjà parlé sur l'histoire d'Overwatch, d'un groupuscule du secteur Black Ops en fait d'Overwatch, c'est-à-dire les missions secrètes, troubles, les assassinats de leaders politiques, etc. Enfin en gros, la branche d'Overwatch où tous les moyens sont permis pour arriver, hein, la fin justifie les moyens pour arriver au but final. Du coup, Genji va intégrer Blackwatch avec, on voit Jesse McCrea à gauche, et le grand patron de Blackwatch, qui est l'un des meneurs d'Overwatch d'ailleurs, c'est Gabriel Reyes, le futur faucheur. Et en l'occurrence, du coup, Genji intègre Blackwatch, et il a justement cette armure très spéciale, et c'est aussi quelque chose, et c'est là où on voit en fait vraiment la façon de penser de Genji, c'est que c'est le destructeur. Là, c'est vraiment le destructeur. C'est Genji qui est devenu une arme vivante. C'était déjà un ninja par le passé, donc il y avait déjà les arts martiaux, etc. Il était déjà c'est un très bon guerrier, bien entendu. Mais là, en fait, un ninja est une arme de base. Un ninja, c'était justement une arme pour un clan, samouraï, etc. C'était des armes. Et là, il va justement embrasser cette voie et devenir l'arme mortelle d'Overwatch, hein, de Blackwatch, parce qu'il va complètement accepter. Elle n'est pas dans l'acceptation de ses nouveaux membres cybernétiques. On voit justement son corps qui est... Vous voyez, hein, toutes les cicatrices sur son corps, même son visage, on en verra après, mais il s'est fait détruire, hein, dans le combat contre Hanzo. Et Genji, justement, là, il ne sait plus ce qu'il est. Il est dans une phase où il est complètement perdu, Genji. C'est vraiment la phase où il est perdu, il ne sait plus où il en est. Il sait pas, il est perdu, il a toujours vécu dans le clan Shimada, etc. Là, il découvre en fait un autre monde, c'est complètement un apprentissage. On est dans une période vraiment intéressante de Genji, puisque on est passé de l'adolescent un peu fougueux qui fait n'importe quoi, qui écoute pas ses parents, qui écoute pas ses conseils, etc., qui écoute pas ses professeurs, là, à le mec vengeur en fait. Hein. Là, le vengeur qui a un but et il ne voit rien d'autre. Là, il est en tunnel vision, il est en mode Shimada, il faut détruire le clan Shimada. Et du coup, il est devenu une arme véritablement mortelle et ça va être un des meilleurs agents de Blackwatch au service de Gabriel Reyes. Et ils vont faire des trucs pas toujours très jojo, on va dire. Hein. Genji va pas faire forcément des trucs très jojo. C'est vraiment un assassin. Hein. Là, c'est vraiment l'assassin pur et dur. Par contre, les résultats sont là. Ce qui est bien avec Blackwatch, c'est que certes, tout ce qu'ils font n'est pas très légal et pas très justifié parfois, hein, mais la fin justifie les moyens, hein, donc les moyens utilisés sont parfois pas très net, mais les résultats sont là. Genji et Overwatch repoussent complètement le clan Shimada, commencent à détruire un petit peu le clan Shimada de l'extérieur, les détruisent, on va dire, pas mal de compartiments et réduisent l'impact du clan Shimada au niveau de son empire criminel. Donc ça, c'est un bon point, hein, évidemment, et Genji va réussir à être très très bon là-dessus. Et d'ailleurs, on va voir Genji, justement, dans la BD que je vous conseille, sur les événements de Londres, que vous pourrez trouver sur le site d'Overwatch, hein, tout simplement.
Et on voit justement Genji qui apparaît, et c'est là où on avait une apparition de lore, parce qu'on ne savait pas. On savait qu'il avait fait partie d'Overwatch, mais on a découvert qu'en fait c'était un agent de Blackwatch. Et ça nous montre un petit peu cette, justement cette vision, et je pense que le côté arme mortelle, on le voit très bien avec ses yeux aussi qui sont vraiment rouges. Après c'est les implants, hein. Là c'est tout ce qui est implant, on voit son corps. C'est presque un Dark Vador en fait, hein. Son corps il est à moitié détruit, on l'a transformé un petit peu en mi-robot, mi-homme, mi-robot. C'est un cyborg, hein. Un cyborg c'est une définition, c'est mi-homme, mi-robot, hein, tout simplement. Et en fait c'est un homme avec plein d'outils robotiques. Donc il a des fausses jambes. Enfin je pense qu'il s'est fait couper d'ailleurs, parce que ses jambes paraissent assez robotiques. Et du coup on voit même une partie de son corps qui est quand même assez robotisée. Et il va s'entraîner, on voit Angela Ziegler tout en haut, hein, qui regarde un petit peu ce que peut faire Tracer, qui a eu une opération médicale, mais on en parlera de Tracer dans une autre vidéo. Mais voilà, là c'est un petit peu deux patients que Angela Ziegler a traités, qui sont en train de s'entraîner. Genji est un très bon assassin, on va voir justement que c'est l'un des meilleurs agents, et du coup il est assez surpris. Tracer arrive à un petit peu le battre. Bon voilà, je vous laisse aller voir la BD, mais on voit justement Genji s'entraîner. Et là sur les événements justement de Londres, on est vers la fin d'Overwatch. On est sur la période 1.0 d'Overwatch qui est en train de se terminer. Overwatch commence déjà à se faire pas mal désavouer pour les événements la plupart des missions de Blackwatch qui ont été ouvertes au grand public. Il y a un agent de l'extérieur, il y a du monde de l'extérieur qui est en train d'essayer de nuire à Overwatch, notamment par l'opinion publique, en montrant justement tous les problèmes que Overwatch a pu créer, etc. Et c'est un petit peu des thématiques de Watchmen, c'est-à-dire qui surveille les Watchmen. Et là, c'est qui surveille Overwatch. Parce qu'Overwatch veille sur la paix mondiale, l'ordre mondial, etc. Mais qui veille sur Overwatch? Qui surveille Overwatch? Et en l'occurrence, bah, c'est la fin. Là, c'est la période en fait de fin d'Overwatch 1.0. Et du coup, Genji, d'ailleurs, était au camp et on s'entraîne, et il peut pas être envoyé à Londres parce qu'Overwatch n'a pas le droit d'intervenir. Donc là, on est déjà sur la fin de la période de Genji sur Overwatch 1.0. Et au moment où justement il y aura le Patrice Act, l'acte qui va mettre fin, le démantèlement d'Overwatch tout simplement, la loi qui va démanteler Overwatch, et on va tout simplement avoir Genji qui va quitter Overwatch. Alors je fais un petit rappel pendant ce temps, la période Overwatch alors on fera une vidéo aussi sur Hanzo, hein, au moment opportun, mais quand même pour rappeler, parce que c'est très important, Genji aime son frère. Alors à ce moment-là, il est imbibé de vengeance, il s'en bat les steaks, mais du coup, il va combattre le clan Shimada. Et là, on pourrait se dire, la première chose qu'on doit se dire, c'est s'il combat le clan Shimada, il doit combattre son frère, qui est le grand patron du clan Shimada. En l'occurrence, non, en fait. La mort de Genji, je vous avais commencé à le mettre à vous en parler, hein. La mort de Genji aurait dû justement permettre à Hanzo de s'envoler et de faire envoler avec lui le clan Shimada. Et au final, le deuil de son père, suivi du deuil de son frère, ça a anéanti Hanzo, qui a toujours été justement très droit, très respect des codes, etc., respect des règles et tout. Ça l'a anéanti et il a complètement sombré en dépression, Hanzo, hein. Hanzo, il a été... mais vraiment détruit par la mort de son frère qui suivait la mort de son père. Donc il n'a pas pu reprendre les rênes. Il a repris les rênes du clan Shimada pendant une brève période. On n'a pas le temps exact, mais pendant une brève période, il a repris les rênes du clan et il a fait « En fait, je peux pas, je peux pas veiller là-dessus. » Il s'en veut énormément d'avoir tué son frère. Il se dit que ça n'en valait pas le coup, en fait. Ça n'en valait pas le coup de tuer son frère. Que certes, le devoir, l'honneur, primé sur ses liens en fait avec Genji, mais il n'arrive pas à se dire qu'il a pu tuer son frère, que son père n'aurait jamais accepté ça, etc., etc. Et du coup il s'en veut énormément. Et au final, un petit peu c'est intéressant aussi ce genre de relation, parce que au final il va un petit peu rentrer, alors à sa manière, de manière froide, mais il va un petit peu rentrer dans les déboires de son frère. C'est-à-dire qu'il va quitter le clan Shimada. On ne quitte pas le clan Shimada, on ne quitte pas un clan Yakuza, mais il va le quitter, on va y venir après. Il va quitter le clan Shimada et il va commencer à se noyer un petit peu dans l'alcool, hein. D'ailleurs on le voit, hein, sur ce super artwork, hein, la petite bouteille de saké, hein, bien entendu, parce que bah, là Hanzo il va commencer à vagabonder partout dans le Japon et... Au final, ça va devenir une sorte de mercenaire, il va quitter le clan Shimada, et en quittant le clan Shimada, tu ne quittes pas un clan Yakuza, surtout quand t'es le grand patron. Du coup, le clan Shimada considère que c'est un ennemi, que c'est un traître. Et du coup, bon, le clan Shimada, on n'a pas l'info pour qui gère le clan Shimada à ce moment-là. Probablement l'un des conseils, parce que c'est plusieurs familles, certes c'est la famille Shimada qui dirige le clan Shimada, mais dedans t'as les frères, par exemple, je sais pas si Sojiro avait un frère ou quoi que ce soit, mais... En tout cas, voilà, le clan Shimada va continuer à être dirigé par d'autres personnes et va traquer Hanzo et le tuer, et vouloir le tuer, Hanzo. Alors, il y a encore un petit trouble, donc ça se trouve,
Hanzo a quand même été un peu chassé du clan Shimada, mais lui-même n'aurait de toute façon pas pu accepter, pas pu gérer les rênes du pouvoir parce qu'il était complètement anéanti. Il est dévasté, Hanzo, hein. Il est dévasté par la mort de son frère et de son père. Il sombre dans l'alcool et il y a... En fait, le clan Shimada va envoyer plein d'assassins tour à tour pour essayer de tuer Hanzo, et à chaque fois Hanzo s'en sort, c'est l'un des meilleurs guerriers du monde, hein, clairement Hanzo. Pour battre Genji, de toute façon, il faut être bon, hein, et Hanzo est très très bon, et en l'occurrence, justement, Hanzo va se noyer va se noyer un petit peu son chagrin dans l'alcool, va complètement être en dépression, et il va avoir... C'est le mec blasé, Hanzo, hein. C'est vraiment, il va passer d'un mec... Voilà, très droit, etc. Un mec complètement blasé, qui a une vision pourrie du monde. Il considère que le monde, il est pourri. Enfin, c'est le mec qui est dans le darkness absolu. Hein. C'est le mec qui est dans le noir, dans les ténèbres. Hein. Il est dans les ténèbres, il voit plus la lumière. La vie, c'est de la merde. Hein. C'est un peu ça. Hein. Je me demande d'ailleurs, il n'y a pas de... On parlera d'Hanzo dans une autre vidéo, mais j'extrapole un peu. Je pense quand même qu'à mon avis, il a pu songer au suicide à un moment donné. Hein, parce que c'est vraiment... il est complètement au fond. Et du coup, Genji, pendant cette période-là, voilà, Genji continue un petit peu d'agir avec Overwatch, la fin d'Overwatch avec le Patrice Act, enfin bon, la loi qui va démanteler Overwatch, parce que j'ai un petit trou, c'est Patrice Act, j'ai un petit sou... je ne me rappelle plus, mais bon, la loi qui a démantelé Overwatch va justement forcer Genji en fait à partir, et en fait son but c'était justement le démantèlement des organisations criminelles, principalement le clan Shimada, hein. C'est pour ça qu'il avait accepté de rejoindre Overwatch, bon il avait pas le choix, hein, il s'est fait sauver quand même, mais du coup en fait là il a perdu son but, c'était une arme, quand il avait intégré Blackwatch et Overwatch, avec le thème de Blackwatch à ce moment là parfait, mais quand il a intégré justement Overwatch, son but c'était la destruction de sa famille criminelle, et de détruire le mal en fait. Un peu pour caricaturer, c'est un peu ça. Et là en fait, il est passé d'un statut d'arme mortelle où il servait justement un maître, il était son arme, il était l'arme. Là en fait, il a plus de but. Il n'a plus de but dans sa vie. Et là, c'est le moment où Genji, lui aussi va, c'est pour ça que je parlais un peu d'Hanzo, parce que là Genji va complètement tomber en dépression aussi. Parce qu'en fait, un japonais, il doit toujours avoir un but dans sa vie. Et en l'occurrence, un guerrier comme Genji qui n'a plus de but, il pouvait justement un petit peu véhiculer sa haine, sa rancœur, sa vengeance contre une personne. Là en l'occurrence, il n'y a plus rien. Le clan Shimada a été pas mal affaibli, il est quasiment, je dirais pas détruit, mais il a été quasiment, voilà, il peut plus nuire. Donc il a plus de but en Genji, il n'a plus aucun but dans sa vie. Et là c'est le moment où il va être vraiment pas bien, parce qu'il se rend compte justement de ce qu'il est devenu. En l'occurrence, il considère qu'il est devenu une abomination, une immondice, et il commence à se dire, voilà, je suis même plus humain, je suis pas robot, je suis pas humain. Il est rejeté à moitié par les humains aussi, il est rejeté par les omniaques également. Donc il est sans foyer, sans famille, sans maison, il n'a plus aucun but dans sa vie. Et là Genji va commencer à essayer de vagabonder un peu partout dans le monde. Il va commencer à vagabonder partout dans le monde. Et d'ailleurs, un des skins d'Overwatch de Genji, qui est le bédouin, le Genji bédouin, c'est justement une des phrases, une des aventures que Genji a pu subir pendant cette période de fermeture d'Overwatch. Puisque, en fait, il va aller partout dans le monde. Il a été aux États-Unis, il a été en Afrique, en Inde, partout. Il a été un peu partout. Et en l'occurrence, il a été notamment en Afrique du Nord. Et c'est de là, justement. Alors, bon, par contre, le visage, c'est un fan art. Hein, mais le visage, normalement, il est censé être détruit. Hein, il n'est pas beau gosse comme ça. Hein, mais. Voilà, le côté bédouin, l'artwork était quand même superbe, donc je l'ai gardé, mais il faut imaginer qu'il est complètement défiguré, hein. Son visage, c'est plus ça. Mais du coup, voilà, il accepte très très mal ce qu'il est devenu, il vagabonde un peu partout, et pendant un moment, bah, son voyage va l'amener en Afrique du Nord, et il va avoir cette armure-là. C'est une armure qu'il a portée, justement, Genji. Mais dans ses différentes aventures, il va faire la découverte. Il va faire la rencontre un petit peu fortuite comme ça, il va faire la rencontre d'un omniaque pas comme les autres. Il s'agit de Zenyatta, qui est un omniaque. C'est pareil, hein, Zenyatta il fera l'objet d'une vidéo en temps voulu, hein, sur lui-même. Mais Zenyatta, pour résumer très rapidement, Zenyatta c'est un omniaque qui a rejeté la violence et qui a rejeté le conflit humain-machine. Et il veut justement aller dans l'autre sens. L'un des grands justement prêtres, l'un des grands moines là-dessus, c'est Mandata, qui est un grand ami de Zenyatta. Et ensemble, ils luttent pour mettre fin au conflit. C'est un peu une sorte de Martin Luther King en fait, hein, Zenyatta. C'est un Gandhi, un Martin Luther King qui est un visionnaire.
avec Mondata hein, principalement. Mondata est un peu le patron. Zenyatta aspire justement à la paix entre les hommes et la machine. Il sait que l'harmonie est possible. L'harmonie est possible et justement les moines, on va dire, de Zenyatta et Mondata, etc. Le groupe justement qui vit au Népal, c'est justement une sorte de, c'est des prêtres, en fait c'est un peu des moines bouddhistes, hein. C'est vraiment voilà, dans la paix, dans l'harmonie, il faut trouver justement se pardonner, etc. Enfin, c'est des principes assez bouddhistes ou shintoïstes principalement. Et du coup, Genji va faire la rencontre de Zenyatta. Zenyatta découvre et se rend compte que justement Genji a du mal à accepter ce qu'il est devenu. Ils font connaissance. Et au final, Zenyatta va proposer à Genji de venir rejoindre justement Zenyatta dans son monastère au Népal. Et Genji va l'envoyer chier. Genji va lui dire non, tu te casses, je m'en fous de toi, tes trucs, c'est bien beau ton machin, mais c'est des conneries. Nanana. Enfin, il accepte pas. Et Zenyatta, c'est un mec un peu insistant, c'est un forceur. Mais il a raison, il avait totalement raison. Et Zenyatta, il se rend compte en plus. Et alors, je dirais pas qu'il y a des buts politiques derrière, parce que en soi, en fait, ils ont jamais utilisé Genji politiquement. Mais je pense que pour lui, c'était aussi pour Zenyatta, c'est vachement important de réussir à ramener Genji, on va dire, à la raison et le faire accepter ce qu'il est. Parce que en fait, Genji, c'est mi-humain, mi-machine. Même si Genji est bien sûr principalement humain, c'est juste qu'il a été doté de membres cybernétiques, mais du coup de membres machines. Mais à la base, ça reste un être humain, c'est ce qui fait que c'est un cyborg. Zenyatta est 100% machine, c'est un omniaque, c'est 100% machine. Et justement, pour Zenyatta, c'est vachement important, parce que du coup, s'il arrive à justement permettre à Genji de s'accepter lui-même et de lui faire trouver la paix intérieure, etc., bah, pour lui, c'est vachement important, Zenyatta, parce que c'est ce qu'il essaye de faire accepter au monde entier. C'est justement l'acceptation des machines et des humains, des êtres humains, et l'entente et la symbiose qui peut naître entre les humains et les machines. Ils veulent justement qu'on puisse vivre ensemble. Donc, je rappelle, hein, allez voir vraiment l'histoire d'un héros sur Overwatch, mais il y a eu la Troisième Guerre mondiale, hein, Troisième Guerre mondiale entre les humains et les machines, chacun voulait exterminer l'autre, etc. Et on va dire, les cas de force majeure ont fait qu'ils ont dû collaborer ensemble. Et c'est un petit peu comme l'Afrique du Sud, l'histoire de l'Afrique du Sud, avec les Noirs et les blancs, il y avait une haine viscérale entre les deux groupes, et à la fin il a fallu vivre ensemble. Et du coup il y a encore, même à l'heure actuelle, malheureusement il y a encore beaucoup trop de conflits entre les deux ethnies, on va dire. Et du coup c'est vrai que c'est très compliqué, et Zenyatta justement, bah, il a envie d'aider Hanzo, Genji dans cette tâche. Et il va pas mal insister, il va essuyer pas mal de refus de Genji, et à un moment donné, il va réussir à trouver les mots justes qui vont toucher Genji. Bon, ça va être travail de long terme, hein, mais il a réussi à toucher Genji, et Genji va accepter de rejoindre Zenyatta au monastère. Et là, en fait, c'est vachement important, parce que c'est ce moment-là, en fait, où Genji va complètement changer sa vision des choses et son... sa vision des choses et son... ouais, sa façon de penser, en fait. Parce qu'on est passé du coup d'un Genji, pour récapituler, on est passé d'un Genji adolescent qui voulait juste être un bon vivant, profiter de la vie, etc., à un Genji qui a été ramené aux réalités, qui est... en fait il est passé de l'idéaliste aux réalités, en mode bah non, la vie elle est dure, la vie elle est pas jolie, il va falloir que tu te sortes les doigts. Et du coup, il est devenu, en fait, bah, il a accepté sa vocation et ce qu'il faisait de mieux, c'est-à-dire l'assassinat et la guerre. Et en l'occurrence, il est devenu un excellent guerrier et il est devenu l'arme mortelle. Sauf que, en devenant une arme pure et dure, bah, il s'est, on va dire, un petit peu perdu dans un océan de violence et de vengeance, etc. Et c'était très dur pour Genji d'accepter. Et là, en fait, en étant à l'apprentissage, hein, il devient vraiment le... ouais, c'est un mentor, en fait. Zenyatta est devenu le mentor de Genji, et Genji va faire de la méditation, etc. Il va enfin accepter la part robotique qu'il a en lui. Et en fait, au lieu de le considérer comme une malédiction, comme un problème, il va le prendre en compte comme une force, comme quelque chose qui peut justement l'aider à bâtir des choses. Et c'est là où on voit que Genji va complètement changer. J'aime beaucoup justement l'histoire de Genji pour ça, c'est qu'il y a vraiment, en fait, des étapes dans la vie de Genji. Et là, c'est une nouvelle étape avec une espèce de transcendance, en fait. Il a réussi à se trouver lui-même, il a réussi à trouver la paix intérieure, il a pardonné les erreurs qui ont pu être faites dans le passé, pardonné son frère, pardonné son clan, pardonné tout, en fait, pardonné la violence, etc. Et a trouvé la paix intérieure, trouvé le calme, en fait, tout simplement. Et du coup, justement, il veut mettre ses talents de très bon... pas d'assassin, mais d'excellent guerrier, bah si, d'assassin un peu... pour le bien, en fait, pour le bien commun, pour justement
améliorer les conditions de vie des êtres, que ce soit machines ou humaines tout simplement. Et ça, c'est vachement intéressant parce que Overwatch 1.0 est terminé, c'est interdit, et on glisse tout doucement vers Overwatch 2.0 qui est justement le moment fondateur où Overwatch recommence en fait. Overwatch 2.0 et Genji en acceptant ça et en changeant justement la façon de faire, il est complètement dans... Il va être un des membres très importants d'Overwatch 2.0. L'Overwatch 2.0, on y est, mais c'est que le début. Le rappel qu'avait fait Winston, je vous le rappel où il contacte tout le monde, notamment Genji. Il contacte Genji, il contacte tous les anciens membres d'Overwatch pour justement rassembler Overwatch. Alors Overwatch est interdit, là, Overwatch 2.0 est interdit, hein, bien sûr. Mais c'est un groupe interdit qui va essayer de faire le bien. C'est des super-héros, tout simplement. Hein. C'est des super-héros. Et Genji va embrasser cette voie de super-héros. Et petit à petit, lui-même, il va commencer à bouger. Alors, il reste bien sûr en contact avec Zenyatta et sa base d'opération, l'endroit où il va toujours revenir, son espèce de Batcave à Genji, c'est le monastère du Népal. Mais il va commencer à revoyager un peu partout pour aider les gens, principalement autour du Népal, mais il va aider les gens. Et bien sûr, ce qu'il a accepté, cette paix intérieure, il veut justement pouvoir rebâtir et retisser les liens avec son frère. Et en l'occurrence, donc on imagine qu'il a pas mal espionné son frère et il s'est rendu compte que son frère avait été encore plus anéanti que lui-même par ce qui s'était passé. Et il retrouve un Hanzo complètement détruit, qui se noie dans le saké, qui se noie dans la boisson, etc. Et du coup pour Genji, c'est quelque chose de dur parce qu'il aime son frère. Il aime fondamentalement son frère en fait. Et Hanzo, s'il est dévasté comme ça, c'est parce qu'il aimait son frère. Il y a un amour très fort entre les deux. Et un amour fraternel très très fort. Et justement Genji veut aider son frère là-dessus. Et alors Genji va... J'aime beaucoup cette image d'Hanzo parce que c'est un peu l'idée qu'on a. C'est Hanzo perdu, au fond en fait, perdu. C'est... Il a perdu sa voix. Les deux frères ont perdu leur voix, ont perdu leur but. Et ils ont été touchés tous les deux par les réalités de la vie, alors que c'est des idéalistes. Ils ont les deux été touchés par la vie en fait, et par des événements dans la vie, des événements durs dans la vie. Et ce qui fait que Hanzo est perdu, Genji a réussi à trouver la rédemption. Dans les ténèbres, Genji a trouvé la lumière, Hanzo n'a pas trouvé la lumière. Et du coup, Genji va essayer de lui montrer justement la lumière et la rédemption. Parce qu'il s'en veut, mais mortellement Hanzo, il s'en veut comme pas possible. Du coup Genji va essayer de lui faire trouver la raison. Et ça, eh bien, on va pouvoir en parler dans une superbe vidéo. On va pouvoir se regarder ça. Elle est juste sublime. C'est l'une des plus belles cinématiques que j'ai jamais vues de l'univers de Blizzard. On va se la regarder ensemble. Et c'est justement ce qui va être une étape importante dans la suite de la vie de Hanzo et de Genji. On va se regarder ça tout de suite. Dans ma famille, se transmet une légende de génération en génération. Celle de deux frères, le dragon du vent du nord et le dragon du vent du sud. Ensemble, ils maintenaient l'équilibre et l'harmonie dans les cieux. Mais les deux frères se disputaient pour savoir qui serait le plus apte à diriger leur terre. La rage prit le dessus, et leur violente querelle assombrit le ciel, jusqu'à ce que le dragon du vent du sud abatte son frère, qui tomba en fracassant la terre. Mais le temps passant, il comprit à quel point il était seul. Et la victoire prit un goût amer.
Pendant des années, le dragon solitaire plongea le monde dans le chaos. Il ne connaissait plus qu'aigreur et chagrin. Un jour, un étranger interpella le dragon et lui demanda « Ô Seigneur dragon, pourquoi es-tu si troublé ?» Le dragon lui répondit « Dans ma quête de pouvoir, j'ai tué mon frère. Mais sans lui, je suis perdu. » L'étranger lui répondit « Tu t'es infligé ces blessures. Mais il est temps de guérir. Parcours cette terre sur deux jambes, comme moi. Fais preuve d'humilité. Alors, tu trouveras la paix. » Tu n'es pas le premier assassin envoyé pour me tuer. Et tu ne seras sûrement pas le dernier. Quelle audace! Tu oses venir dans le domaine des Shimada, le repère de tes ennemis. Autrefois, ce temple était mien. Tes maîtres ne t'ont donc pas dit qui j'étais! Je sais qui tu es, Hanzo. Je sais que tu viens ici chaque année, le même jour. Tu prends beaucoup de risques pour honorer l'homme que tu as tué! Tu ne sais rien de ce qui s'est passé! Je sais ce que tu penses. Tu te dis que ton frère a désobéi au clan. Tu te dis que si tu l'as tué, c'était pour maintenir l'ordre. Tu te dis que c'était ton devoir. C'était mon devoir, et aussi mon fardeau. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas l'honorer! Honorer ton frère Genji avec de l'encens et des offrandes? L'honneur ne se mesure que par les actions. Tu oses me donner des leçons sur l'honneur? Tu n'as aucun droit de prononcer son nom! Yuga Wagateki Okurao! Seul un Shimada peut contrôler les dragons. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu attends? Tue-moi. Non. Je ne t'accorderai pas la mort que tu souhaites. Il te reste encore beaucoup à accomplir, mon frère. Non. Comment? Mon frère est mort. Genji. Le dragon se posa au sol. Pour la première fois, il voyait le monde avec clarté autour de lui. Et il devint humain. L'étranger lui révéla alors qu'il était son frère. Enfin réunis, ils se mirent ensemble à rebâtir ce qu'ils avaient autrefois détruit. Qu'est-ce que tu es devenu? J'ai accepté ce que je suis à présent, et je t'ai pardonné. Maintenant, il faut te pardonner toi-même. Le monde va changer une fois de plus, Hanzo. L'heure est venue de choisir ton camp.
vie n'a rien à voir avec les histoires que nous contait notre père. Et tu es fou si tu y crois encore. Je suis peut-être fou de croire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Mais j'y crois. Réfléchis, mon frère. Cette cinématique, à chaque fois que je la vois, là, j'ai marché la petite. j'ai les yeux humides. Elle est superbe. Elle est superbe. Et je trouve qu'elle. Pour un petit rappel, je vais rappeler deux, trois détails. On va parler un petit peu des anecdotes concernant Genji juste après. Mais pour rappeler un petit peu aussi. Pourquoi aussi j'adore le lore et j'adore l'histoire, c'est pour ce genre de choses. En fait. L'histoire est super importante, quel que soit l'univers, que ce soit Overwatch, Starcraft, Diablo, Warcraft, enfin n'importe, vraiment, que ce soit les quatre univers ou même d'autres trucs. C'est justement la richesse d'une histoire qui fait que ce genre de bataille, parce qu'au final c'est un duel, c'est du combat, et c'est grâce à une histoire qui est juste superbe, et bien sûr, après l'animation qui est belle, bien entendu, je dis pas le contraire, mais en fait... C'est pour ça qu'on aime le lore. C'est parce que c'est ce genre d'histoire qui permet de mettre en profondeur et de mettre sur un piédestal derrière les personnages et qui fait que la scène est épique. Et... Enfin, elle m'émeut à chaque fois. Cette cinématique est monstrueuse. Enfin, vraiment, elle est superbe. Et on voit vraiment, justement, toute la richesse des deux personnages. Les deux torturés, l'un qui a trouvé la rédemption, l'autre, Hanzo, qui est complètement perdu. Il est... Enfin, vous le voyez, c'est pour ça que je parle de côté peut-être un peu suicidaire même d'Hanzo. Enfin, il accepte de se faire tuer, il est en mode, vas-y, bah tue-moi, de toute façon, je m'en fous en fait. Enfin, vas-y, j'ai rien à faire. Chaque année, à la date d'anniversaire de la mort de Genji, il vient au temple Shimada, alors que le clan Shimada lui envoie plein d'assassins pour aller le tuer. Et chaque année, à la même date, il revient au temple pour, justement, au temple d'Anamura, pour avoir, pour trouver la paix par rapport à l'acte qu'il a commis en tuant son frère. Enfin, je trouve la scène superbe. Et un petit détail aussi, un léger détail que vous pouvez voir, Genji, l'une de ses signatures et l'un de ses pseudonymes qu'on lui a donné, c'est Kotori. Et comme vous l'avez vu, Hanzo justement avait cette plume de faucon qu'il tenait dans la main. Et même Genji aussi, quand il s'est téléporté, enfin quand il a disparu, en gros il a fait sa technique ninja, qu'est-ce qu'on voit? C'est une plume de faucon qui part. Et ça c'est le petit détail, mais voilà, c'est le Kotori justement, le petit aigle qui est fait la marque de fabrique de Genji. A noter aussi quelque chose d'important, Genji quand il dégaine le katana, vous l'entendez tout le temps hein, dire la même chose, hein, c'est le Ryuji no Kanokurae, quand il dégaine le katana, hein, la grande lame justement. Alors ce que ça veut dire, c'est traduit du japonais, c'est subissez l'épée du dragon, en gros subissez la colère du dragon, justement l'aspect du dragon, c'est l'une des icônes du clan Shimada, et vous le voyez pourquoi, c'est qu'ils peuvent contrôler le dragon en gros, et justement bah, Genji est plutôt fort là-dessus, et je n'ose pas imaginer vraiment la violence du choc qui avait eu lieu quand ils étaient jeunes, mais ça devait plutôt être un gros combat. En tout cas voilà, pour l'avenir de Genji, c'est ce qui s'est passé. Genji donc est en train de retravailler le 2.0 d'Overwatch, avec l'idée justement que il pourra rejoindre justement une organisation qui pourra aider les gens à trouver la lumière et aider le plus grand nombre en fait, tout simplement. Et là, dans cette cinématique, en fait, pourquoi il fait ça? C'est tout simplement pour que Hanzo le rejoigne, déjà pour le sortir de ses ténèbres, mais pour permettre à Hanzo de rejoindre Overwatch en fait, la future Overwatch, pour justement aider les gens dans le besoin en fait, face aux organisations criminelles comme le clan Shimada. Donc c'est vachement intéressant parce qu'en fait c'est Genji qui lui tend une main en fait, il tend la main vers Hanzo en mode vas-y, trouve la paix intérieure, trouve justement ce que j'ai pu trouver, accepte ce que tu as fait, je t'ai pardonné moi, c'est toi qui m'as tué, je t'ai pardonné, donc pardonne-toi en fait, genre vas-y, reviens vers la lumière, reviens vers nous et ensemble avec nos capacités on va pouvoir aider la population, et c'est vachement important, c'est vachement intéressant.
Au niveau justement des liens qu'il y a avec Genji, alors un point par rapport à Genji qui est très important au niveau fondateur, et ce qui explique aussi deux trois petits trucs par rapport à Genji. Au tout début, Genji et Hanzo étaient les mêmes personnages. Ça devait être un seul et même personnage. Un archer, donc de loin, qui utilisait l'arc, et qui avait en gros des compétences de guerrier, corps à corps par la suite. Et au final, ce personnage... Donc ça, c'était vraiment dans l'élaboration du perso. Mais l'élaboration du perso, souvent, c'est justement, on crée une histoire, on en sort un perso, qui va permettre après de changer le gameplay, d'orienter le gameplay. Après, des fois, c'est l'inverse. Hein. On a besoin d'un ninja, un samouraï. Ok, on en crée un, on lui trouve une histoire, etc. Et au final, on lui a créé un concept. Et finalement, ça a créé deux héros, deux frères. Et je trouve que la richesse du perso de base, qui devait... Ah, par contre, le perso, il avait l'air badass. Hein. C'était donc un archer avec un peu certaines compétences d'Hanzo, en moindre, mais certaines compétences d'Hanzo. L'ultime de Genji, en gros, avec des dashs, etc. Et à côté de ça... un camouflage façon Sombra. Donc l'une des un des gameplays de Sombra, c'était un petit peu le gameplay de Genji à la base, initialement. Genji finalement le Hanzo a été coupé en deux, il est devenu Genji d'un côté et Hanzo de l'autre, ce qui fait d'ailleurs que vous voyez qu'il y a certaines similitudes entre Genji et Hanzo. Et par exemple, moi je me suis toujours dit un truc, alors je sais pas si vous l'avez dit, mais moi enfin j'adore Genji et Hanzo. Du coup je suis le mec sur Overwatch qui joue Hanzo et Genji quand t'as besoin d'un support. Oui, je suis le mec détestable. Mais du coup, Hanzo, en fait, je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais ses jambes ne font pas humaines. Mais vraiment pas humaines. Un petit peu à l'image de Lucio. Ses jambes ne font pas humaines. Et en fait, pour Hanzo, c'est un clin d'œil. Normalement, il devrait pas avoir ces jambes-là, mais c'est un clin d'œil justement à l'ancien Hanzo qui aurait dû être cybernétique. Et si vous voyez, si vous comparez les deux, on a vraiment la fusion en fait. C'est comme si on avait sorti en fusion. Si Genji et Hanzo ils commencent à faire fusion, il deviendrait le mec de gauche quoi. Et c'est un petit clin d'œil, ce qui prouve justement que Genji c'est le côté vraiment cyborg, là où Hanzo, lui justement, bon, certes il a des blessures. Alors, ce qui est peut-être aussi possible, c'est que Hanzo lors du combat contre Genji a perdu ses jambes. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Peut-être qu'Hanzo a perdu ses jambes contre Genji, mais ça c'est un autre point, on en parlera dans une vidéo consacrée à Hanzo. Mais du coup, Genji lui par contre, c'est un petit peu au niveau de l'analogie, quand il retire le masque, etc. Genji, faut vraiment imaginer que c'est un Dark Vador qui a bien tourné. C'est le Anakin Skywalker qui a perdu son corps, qui s'est fait détruire son corps, mais on a réussi à le sauver. Sauf que au lieu que ce soit l'empereur du mal qui s'occupait de lui, c'est le bien et Angela Ziegler en gros hein, qui l'a soigné et qui a voulu justement lui donner de l'espoir, lui donner un but derrière. Et en gros, c'est un petit peu le Anakin Skywalker, Genji, qui a bien tourné. Et je trouve ça vachement intéressant dans l'idée. C'est un Dark Vador qui a bien tourné, Genji. Donc c'est quand même super beau. Et d'ailleurs, en parlant d'Angela Ziegler, il va falloir quand même parler d'un truc. Puisque Genji... Ah, je l'ai pas mise. Ah mince, j'ai oublié cette image. Je suis triste. Genji justement, il y a eu aussi une petite BD pour fêter la fin de l'année 2016-2017. J'ai oublié de l'ajouter, mon mauvais. Il y avait une photo justement qui a été pas mal détournée, qui était très drôle. Mais à la base en fait c'était justement une BD où on voyait un petit peu. Et ça au niveau du lore ça change beaucoup de choses, j'en parlerai surtout pour Tracer. Mais il y a pas mal de petits points qui ont été mis pour voir un petit peu où en sont les personnages maintenant. Et en l'occurrence, Genji on le voyait justement au Népal, à côté de Zenyatta, toujours un petit peu en méditation, etc. Et Genji qui écrivait une lettre. Il écrivait une lettre avec une plume de faucon, encore une fois, Kotori. Et du coup, il écrivait une lettre avec une plume de faucon. Et en fait, on voit qui lit la lettre. Et en l'occurrence, c'est Angela Ziegler, le médecin d'Overwatch, l'ancien médecin d'Overwatch, qui, une fois quitté Overwatch, a commencé à soigner partout dans le monde, là où il y en avait besoin. Et en fait, Genji, qui tient justement une correspondance avec... avec Angela Ziegler, je trouve ça très intéressant, parce que on est vraiment dans une optique où... Il pourrait y avoir... Ah, si je l'ai en fait. Je l'ai, elle est là, voilà. C'est juste que je l'avais perdue. Elle est ici. Vous voyez Genji, en fait, qui est en train d'écrire une lettre, donc avec sa plume de faucon, Kotori. On voit Zenyatta un petit peu derrière. Et on voit qui lit la lettre. En l'occurrence, Angela Ziegler, merci. Avec la plume de Kotori qui était avec, justement, la lettre. Et elle a l'air heureuse. Bon, elle fait un visage chelou, mais elle a l'air heureuse. Elle a l'air contente, Angela. Sachant, on peut peut-être un petit peu extrapoler. Alors, bien sûr, ils ont une très bonne relation. Angela a complètement sauvé Genji par le passé, bien sûr. Et Genji, c'est un japonais avec la tradition, on l'a vu, hein, Sojiro qui l'a élevé dans les traditions japonaises, etc. Donc, il y a beaucoup de respect envers Angela Ziegler, bien entendu.
mais on peut peut-être extrapoler avec l'idée qu'ils sont à peu près le même âge, hein, Genji et Mercy, ils ont une trentaine d'années. Donc, il y aurait peut-être un lien plus qu'amical entre les deux. Ça, l'avenir nous le dira, mais je pense que, même si c'est pas le cas, je pense quand même qu'il y a des petites pistes qui pourraient nous indiquer qu'il y a une relation plutôt d'ordre pas amical, on va dire, plutôt amoureuse entre Genji et Angela Ziegler, mais ça c'est pas certain. Genji Shimada, l'ancien mafieux, et Angela Ziegler, celle qui l'a sauvé. Et peut-être que c'est le cas. En tout cas, j'avais beaucoup aimé, hein, l'image qui avait été détournée. Je vous laisse aller voir, chercher sur internet, mais où on voit justement une image en dessous avec I need healing. Mais bon, voilà, ça c'était autre chose. Mais du coup, Genji qui justement a accepté ce qu'il est devenu et qui est l'un des membres, à mon avis, les plus importants d'Overwatch, puisque contrairement à pas mal de... Quand je parle d'Overwatch 2.0, vous l'avez vu avec Zarya, la vidéo sur Zarya et la vidéo sur Lucio, qui ne sont pas des membres d'Overwatch. Ils vont probablement rejoindre l'Overwatch 2.0. Genji, lui, a fait partie d'Overwatch, comme Angela Ziegler, comme Winston, comme Tracer, etc. Donc, en fait, ça deviendra probablement un des acteurs principaux de la nouvelle Overwatch 2.0. Et surtout qu'avec les intentions de Genji, c'est pas étonnant de le voir rejoindre la famille. Et le côté, viens Hanzo, viens avec nous, tu peux utiliser tes facultés pour le bien commun, bah ça amène justement l'idée que probablement Hanzo va rejoindre Genji, justement rejoindre Overwatch 2.0, qui est une organisation criminelle, bien entendu, puisqu'elle n'est pas autorisée. Mais elle veut faire le bien, bien entendu, contrairement aux autres organisations. Overwatch veut faire le bien, mais il faut rappeler que c'est des super-héros qui sont interdits d'agir, donc c'est toujours intéressant. Mais le 2.0, je rappelle aussi, Overwatch est un monde avec une histoire persistante qui va continuer, donc ça se trouve, il y aura pas mal de rebondissements par rapport à Genji qui pourraient arriver avec de nouvelles histoires sur l'avenir, par exemple, de Sojiro, sur ce qui s'était passé concernant Sojiro, l'avenir de Genji et d'Hanzo et de Zenyatta au sein de Overwatch 2.0, etc. Et peut-être d'autres révélations sur le lore. À ce moment-là, je ferai des vidéos pour complémenter, puisque c'est le problème avec Overwatch, contrairement à StarCraft, Diablo, etc., où c'est gravé dans la roche l'histoire. Genji et Hanzo s'est amené à évoluer, le clan Shimada est amené à révéler à de nouveaux secrets. En tout cas, pour le moment, c'est toutes les informations qu'on avait, mais pour Genji, je trouve en tout cas que c'est un personnage qui a une histoire vraiment intéressante. J'espère qu'elle vous a plu, son histoire, parce qu'elle est plutôt géniale. J'aime beaucoup son histoire à Genji, c'est vraiment un personnage attachant. C'est un personnage attachant qui a une histoire très 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 intéressante. Et bah j'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Voilà, c'est terminé pour cette histoire d'un héros consacrée à Genji et au clan Shimada. La prochaine histoire d'un héros concernant Overwatch, eh bien, ce sera évidemment D.Va qui arrivera sur Heroes of the Storm, la petite prodige coréenne. Mais je pense aussi faire Tracer dans pas si longtemps, quand il y aura peut-être une période de trou, on va dire, pour les personnages d'Overwatch. Je penserai bien sûr à mettre Tracer, je la garde en réserve. Et j'ai bien fait de la garder en réserve, parce qu'il y a pas mal de déroulements sur l'or qui la touche. Donc ça me permet de faire quelque chose d'un peu plus complémentaire. On pourra attaquer en détail la période de Londres qui touche profondément Tracer, bien entendu, et où on évoquera évidemment Genji qui fait une petite apparition dedans. Mais voilà, c'est Tracer fera l'objet d'une vidéo, bien entendu, et à terme j'espère pouvoir faire une histoire d'un héros sur tous les personnages d'Heroes of the Storm et d'Overwatch, bien entendu. En attendant c'est terminé pour aujourd'hui, cette histoire d'un héros sur Genji. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Pour la vidéo YouTube, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à parler des vidéos d'histoire d'un héros à votre entourage, bien entendu, parce que le lore, voilà, c'est fondateur, bien entendu, c'est ce qui vous permet de mieux apprécier les événements qu'on voit, les cinématiques. Voilà, s'il n'y a pas le lore, s'il n'y a pas les anecdotes entre les persos, bah, c'est pas aussi épique, en fait, c'est pas aussi épique, et c'est pour ça qu'on aime l'histoire, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'histoire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas comment terminer. Merci, en tout cas, à vous, j'espère que ça vous a plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus, prochaine vidéo sur D.Va pour Overwatch. Sinon, après, ça sera probablement Lord of Destruction pour Diablo 2, puisque StarCraft, j'attends tout simplement la suite, quand il y aura justement Brood War en version remasterisée. Peut-être que je ferai Frozen Throne, ça fait un moment aussi que j'ai pas fait du Warcraft, je pourrais peut-être faire Frozen Throne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, à plus dans le Nexus, et pour le stream, on se retrouve dans 5 minutes, à bientôt.